Nous allons à présent nous intéresser à un mode d'affichage particulier, le mode éditeur, qui est une méthode de visualisation de texte sans apport graphique. Ce mode d'affichage permettra une étude approfondie d'un texte. Il permet en effet de voir, par exemple, dans un bloc, le texte annexé, de visualiser l'ensemble des styles qui ont pu être utilisés dans un bloc. Nous pourrons également visualiser les blocs ancrés et les lignes de données dans un tableau. Nous avons ouvert pour cela un document Magazine Rome. Nous allons nous positionner sur l'une des pages de notre document, celle-ci par exemple, et mettre notre curseur texte ici dans ce bloc. Nous voulons à présent visualiser notre texte en mode éditeur. Pour cela, nous allons passer par Édition, Modifier en mode éditeur, le raccourci clavier Ctrl Y sur PC ou Pomme Y sur Mac. Voilà le mode éditeur. Nous constatons bien qu'en mode éditeur, nous avons une visualisation de l'ensemble du texte du bloc. Nous avons également ici une visualisation du texte en excès de notre bloc, puisque nous avons ici un texte en débord. Nous avons ici des informations concernant les styles qui ont pu être employés sur notre texte du bloc. Ici, nous avons employé par exemple la feuille de style de paragraphe texte courant. Ici, la feuille de style titre article monarchie. Donc, nous avons une étude de l'organisation et de la structure de notre document. Nous avons ici des informations concernant la position des paragraphes dans notre bloc. Nous allons fermer le mode éditeur. Voilà. Nous allons nous positionner à présent dans ce bloc. Nous allons activer le mode éditeur. Nous constatons que dans ce bloc, nous avons ici donc une encre. En effet, nous avons un objet ancré dans le bloc, dont nous pouvons visualiser les objets ancrés en mode éditeur. Nous fermons à nouveau le mode éditeur. Nous allons nous positionner sur un tableau, par exemple ici. Nous allons activer le mode éditeur à nouveau. Voilà. Nous avons en mode éditeur ici l'ensemble des lignes de données constituant notre tableau. Donc, en mode éditeur, il est très simple donc d'étudier l'organisation textuel d'un bloc texte. Il est très simple également de travailler sur un texte qui serait par exemple en excès. Il est tout à fait possible ici de sélectionner en mode éditeur le texte qui est en débord afin d'agir sur ce texte, par exemple de réduire les approches sur ce texte afin qu'il tienne dans le bloc en place.